babi yarle fa yarle dafa ni ko bamba mune ko ma. Cher Ahmadou Bamba Mbake, ou Khadim Rasoul signifie en arabe serviteur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ou Serine Touba, qui insinue le marabout de Touba. Il est né en 1853 à Mbake, c'était un théologien, juriste musulman et soufi. Le fondateur du mouridisme est l'une des figures les plus importantes de l'islam. Né à Mbake Baol, ville fondée par son arrière-grand-père Mahara Mbake, Bamba est le fils de Mam Momar Ante Salim Mbake et de Mam Diara Bousso. Il était très doué pour écrire sur le tawhid, le fiqh et le tasawuf, ainsi que la grammaire. La plus grande partie de son œuvre, écrite et mystique, est consacrée principalement à la glorification de Dieu et éloge sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il fonde la ville de Touba en 1887. Quelques années après, il est arrêté par les autorités coloniales qui l'enferment dans la prison de Saint-Louis avant de l'envoyer en exil en 1895 au Gabon. On ne peut pas parler de ce guide religieux sans mentionner son miracle qu'est la prière faite en mer alors qu'il était sur le chemin de son exil au Gabon. Au moment où beaucoup pensaient qu'il est mort, Cheikh Ahmadou Bamba retourne à Dakar en 1902 après 7 ans et 9 mois d'exil. En 1903, l'administration coloniale l'arrête à nouveau et l'amène pendant 4 ans en Mauritanie. En 1910, les autorités françaises réalisent que Cheikh Ahmadou Bamba ne désire pas la guerre et décident de collaborer avec lui. Serine Touba refusa la Légion d'honneur. Son mouvement prit de l'ampleur en 1926 et il est décédé le 19 juillet 1927 à Djourbel. Son tombeau est aujourd'hui en lieu de pèlerinage. Parlant de souvenirs, il reste une seule photo de Cheikh Ahmadou Bamba et cette image est reproduite en peinture partout dans le monde. Do you hear me, Father Bamba?